Et on est de retour pour la suite. Est-ce que la scène, ça vous motive là, le tournoi de Rocket League? Oh, vous êtes chaud, hein. Là, les joueurs, ils attendent de rentrer, vraiment, ils ont hâte de venir. Donc, c'est la finale de Rocket League qui va se dérouler en un BO7. Donc, c'est du 3v3 et on va accueillir sur scène tout de suite la team Exalti et la team Servette Generva eSport. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Alors, j'ai avec moi les deux chefs de chaque équipe. Donc, aïe, ils sont motivés, vous avez vu, hein, ils sont chauds là. Donc, j'espère que vous allez offrir du beau jeu. Comment tu ressens cette finale? Bah, on est assez content de la jouer, c'était notre objectif à la base. Et en plus, on joue à domicile, vu qu'on est un peu la France vs la Suisse. Donc, on est assez confiants. Ouais. Et oui, parce que du coup, on accueille aujourd'hui aussi une équipe suisse. Donc, est-ce que c'est votre premier tournoi? Comment vous ressentez cette finale? Et surtout, est-ce que ça vous rend heureux de voir toute cette folie dans le public? Alors, c'est la première LAN, la vraie LAN à laquelle on participe. Alors oui, on est content que ça se passe en plus en France. Il y a cette sorte de rivalité et on va essayer de chercher la victoire. À chercher... Ouh là, il cherche la victoire. Hein. T'es chaud? Tu la veux cette victoire ou pas? Bah ouais, je vais la chercher. Hein. Voilà, bon, vous vous serrez la main et ensuite vous allez retrouver votre équipe. Vous pouvez encore les applaudir s'il vous plaît. Et moi je vais laisser la main du coup à nos casters qui sont Fury et Boyan. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît, merci. Bonsoir à tous, la Gamers Assembly, bienvenue pour le dénouement de ce tournoi Rocket League. 3000 euros en jeu, on l'a dit, une équipe suisse, une équipe française, Fury. Ça va être magnifique. Bah voilà, ça va être magnifique. On a eu un week-end magnifique, une compétition au top. 40 équipes, 120 joueurs qui sont venus ici à Poitiers participer pour cette Gamer Assembly 2019. Une finale au top, des Exalti au plus haut de leur forme, des Servettes qui ont fait des choses incroyables. Un BO7, ça va partir dans quelques instants. J'espère que vous êtes chauds. On vous entend pas. Allez, voilà, allez. On veut vous entendre. C'est Rocket League, c'est spectaculaire. Il va y avoir du beau jeu, donc il faut être prêt dans la salle, bien évidemment. Alors, un petit récapitulatif pardon, de ce qui s'est passé ce week-end. Exalti a roulé sur tout le monde ce matin. Ils ont commencé, ils ont mis un petit peu de temps à se réveiller. Et puis ensuite, ils ont déroulé. Ils restent sur une victoire 3-0 en demi-finale et 4-0 en finale Winners Bracket. Ils sont donc là, ils vont partir avec un point d'avance face à une équipe du Servette de Genève qui est venue à Poitiers. Ils sont pas là pour enfiler des perles, n'est-ce pas? Vous connaissez la référence. Ils vont devoir mettre en difficulté cette équipe tenante du titre, hein, la structure Exalti. Ils sont chez eux à Poitiers à la Gamers Assembly. On va voir ce que ça va donner cette finale. Faites encore une fois un petit peu de bruit avant qu'on lance cette partie, ce BO7 final, 1500 euros à aller chercher. Et ma foi, un titre de champion dans cette belle compétition, le plus gros rassemblement francophone sur Rocket League de l'histoire. Oui, hein. Alors Exalti, on les a plus vus jouer depuis un tout petit moment parce qu'ils sont quand même qualifiés en finale du Winner 4-0. Donc depuis le début de l'après-midi, ils sont tranquilles, ils attendent ça comme des fous. J'espère qu'on va avoir la meilleure finale depuis je sais pas combien de temps. Je vous avoue que l'année dernière, il y a eu un petit 4-0 au final. On est un peu resté sur notre fin. Alors là, le spectacle, il va falloir l'envoyer. Mais vu le niveau des joueurs, je pense pas qu'on va être déçus, Boyan. Ouais, ils vont partir avec de l'avance, mais il va falloir faire très attention à cette équipe du Servette de Genève qui est parmi les meilleures équipes européennes. Ils ont failli se qualifier pour les RLRS, la deuxième division des championnats du monde officiel de Rocket League. Ils font partie des meilleures équipes européennes. Mais on a un petit Frenchie également qui est dans cette div. C'est extra. Et aux côtés de Yukis et de Gaspo, Exalti aura des arguments à faire valoir. Les joueurs, si vous nous entendez, allons-y, pourquoi pas. Allez-y, on peut commencer. C'est parti, oui. On attend que ça, nous. Hein. Allez. Allez, Gaspo, merci. Il est là. C'est bon, les joueurs qui ont rejoint leurs couleurs respectives. On va pouvoir partir pour cette finale à la Gamer Assembly. Rocket League, attention, l'engagement qui part dans quelques instants.
Le coup d'envoi qui est donné, c'est Zafar qui va partir face à Gaspo. Une première balle dans le camp d'Exalti. Ça va trop, attention, ouais, ils y vont à deux, mais finalement c'est Youkis qui prend le ballon pour Extra, qui va essayer de remettre là sur le côté. Il n'y aura personne pour reprendre. Gaspo qui est arrivé, attention à la défense, c'est repoussé. Ouais, attention à cette balle là qui va partir, Extra qui part sur le côté. Et ce ballon qui revient au middle, Mirror qui va venir contrer une première fois, une deuxième fois, peut-être face à Gaspo. La balle qui revient au milieu de terrain, Extra, première touche, est-ce qu'on va pouvoir l'assister un petit peu? Non, il y a Yagi qui va pouvoir contrôler ce ballon, attention il va partir en hard dribble. Yagi peut-être pour la double tap, là où il y était parti, mais on a bien défendu son backboard. Attention à la touche de balle, ça va être pour Gaspo qui va lancer dans la course d'Extra. Ouais, le décollage pour essayer de prolonger ce ballon, c'est cadré, le retour de Yagi là au premier poteau. C'est remis dans l'axe par Zafar, ils vont essayer de contre-attaquer. Non, c'était Exalti qui va se positionner là devant le camp. Le but de Servette de Genève, dégagement de Zafar dans les airs Extra. Ouais, Extra qui envoie sur le côté de ce terrain et Mirror qui va pouvoir envoyer loin devant, on ne se rattrape pas, Gaspo qui relance, mais sur le wall, il y aura du monde avec Zafar, la passe au middle, pas de coéquipier pour venir l'assister, et Youkis qui repart à l'offensive, attention Mirror, ça touche de balle, ça peut être dangereux, ça va revenir juste devant le camp des Servettes, une explosion de Youkis sur Yagi, la frappe c'est juste au-dessus, on va venir Mbappé, derrière oh, c'est open, Gaspo pour le premier but. L'ouverture du score en faveur d'Exalti. Un but inscrit par Gaspo et la démolition là qui va faire du... qui va libérer l'espace, Youkis qui se rate. Mais Extra est allé chercher le dernier défenseur. 1-0 après 1 minute et 15 secondes, Fury. Ouais, effectivement, on se regardait un petit peu, c'est normal, c'est le début, on veut pas prendre trop de risques. Mais là c'est parti, ce but qui risque de débloquer un petit peu la situation. Et ça repart avec Youkis, attention, il est venu mettre beaucoup de pression dès le début, juste après l'engagement. Extra qui renvoie juste devant la cage, peut-être une touche de balle ici. Finalement c'est Yagi qui va pouvoir dégager cette balle, il cherche le compte, mais Youkis va passer au-dessus. Oh. Gaspo non, sans bout, ça sera trop compliqué. Et Mirror qui va venir jouer dans son corner. Ouais, Youkis qui est venu l'enfermer, mais Zafar a pu dégager, il n'a plus de boost non plus là. Extra qui repousse, Youkis peut-être qui va y aller, ça hésite, oh là là, Mirror ou Yagi qui ne savent pas trop comment se positionner, Gaspo contre le backboard, c'est pour Extra, là ce ne sera pas dangereux, ça va laisser de la place aux Servettes de Genève pour se replacer, le ballon qui est mis sur le côté mais qui pourrait revenir là avec Gaspo. Ouais, effectivement, et Zafar, attention, ici ça va, on a le temps de revenir côté Youkis, mais la balle qui va revenir au milieu de terrain, le dégagement d'Extra, il y aura Gaspo à la réception peut-être, ici dans le corner, il y a un bon ballon à jouer, ça va être un petit peu faible, la passe en retrait sur Youkis, qui a du temps, il va ajuster Youkis, première touche de balle, sans bout, c'est compliqué, le dégagement de Yagi, et Zafar qui vient l'assister, première touche sur le backboard, on va essayer de monter très rapidement, oh, la frappe, attention, ça passe juste à côté, Extra, il va falloir repartir, il y arrive en premier temps, le compte, Gaspo, est-ce qu'il peut trouver une ouverture? Non, ce sera arrêté par la défense des Servettes. Ouais, Zafar qui met côté gauche et qui va trouver Mirror Wing. Attention Extra, faut toucher, c'est relancé dans l'axe, Mirror Wing peut-être. Il ne pourra pas mettre ce ballon au fond des filets avec le bon retour défensif. Derrière, Yagi qui va essayer de contrer Youkis. On essaie de sortir du côté d'Exalti, mais les Servettes, les Genevois qui sont là, qui sont bien présents dans le camp bleu. Donc pour l'instant, ils ne parviennent pas à trouver l'ouverture à la moitié de cette première game. Ouais, ils n'y arrivent pas, mais toujours 1-0, ça peut basculer à n'importe quel moment. C'est la beauté de Rocket League. Gaspo qui va monter, il n'a pas de boost. Attention, Yagi dans le corner, il y a peut-être quelque chose à faire. Ce ballon qui va dropper ici, Zafar qui récupère. Il faut aller chercher un bon contre. Zafar peut-être encore face à Yuki. S'il arrive, pour le moment il travaille. Mais là, derrière, il y a Gaspo, Mirror Wing qui va tenter la frappe directe. Attention à ce petit double commit, ça peut coûter très cher à ce niveau de jeu. Extra qui renvoie pour Gaspo qui... Non, qui va se replacer. Youkis peut-être, on tente de partir en 1v1, mais la défense qui revient. Ouais, il a trop pris son temps là. Attention, le triple commit derrière, ça ouvre de la place à Extra qui va mettre le deuxième but. Le break est fait en faveur d'Exalti. Attention défensivement, c'est Genève. Ouais, effectivement, attention un petit peu. On saute à 2, à 3 sur les mêmes positions. Ouais. C'est une finale, il y a de la pression. C'est que le premier match, même s'il y a déjà un point pour Exalti, en tout cas 1 minute 50, c'est tout à fait possible de revenir. Il va falloir le faire très rapidement. Après cet engagement, et ça va partir sur le corner ici avec Zafar. Bon, finalement, c'est Yagi qui touche cette balle. Ça va retomber juste devant, solide sur son wall ici. Gaspo qui renvoie, Youkis peut-être. Le 3-1-0. Ça déroule là en faveur d'Exalti. Il part déjà avec un BO, un point d'avance dans ce BO. Et là, ils sont bien partis pour avoir fait la moitié du chemin avant de soulever le trophée. Et oui. Le Servette là qui a du mal. Peut-être un petit peu de pression, le fait de. Ouais, il va falloir s'adapter à cette grande scène, ce public impressionnant. 1 minute 40, allez pour essayer de marquer un but peut-être. Allez Extra, dans le corner, il n'arrivera pas à toucher cette balle. C'est Youkis qui va reprendre l'offensive du côté d'Exalti. Youkis, ça s'arrêtera là pour lui. On essaie de repartir, mais on ne se trouve pas dans les relances côté Servette. Extra de l'autre côté du mur. Premier contrôle, c'est bien fait. Il va essayer d'enchaîner. Hein. Il met un petit peu de vitesse. Ouh, attention, Mirror, ça va repasser juste devant les cages. Pour Gaspo, peut-être le tir direct. Le dégagement de Mirror. Extra qui essaie de remettre. Mirror, oh, il a retouché Extra, ce ballon qui traîne juste devant la ligne.
Miron Wing va essayer de sortir, pas de crochet possible, il a néanmoins eu le contre-favorable. Zafar va y aller pour essayer de défier Yukis, mais bonne lecture là sur le wall. Gaspo qui essaie de remettre le Jean Triangle Note d'Exaltic qui n'aura pas lieu. Gaspo encore, Yagi qui contre, Zafar va essayer à son tour là de dégager son camp, mais quelle pression de la part d'Exaltic, ne les laisse pas souffler. Ah, effectivement, ils sont très très présents, très haut sur le terrain. Là, l'objectif pour Servette, même si cette game commence à être un petit peu compliquée, c'est d'aller marquer un but pour le capital confiance, pour essayer de repartir un peu mieux dès la prochaine game. Allez, le bon dégagement peut-être. Extra qui vient cut cette balle, c'est bien fait, mais sur le wall, il y aura encore des joueurs orange avec Zafar. Première touche de balle, Yukis qui renvoie en devant, Yagi qui permet de maintenir la pression. Mirror qui est monté sur cette balle, le 50-50, ça va retomber juste devant. Et Yukis préfère jouer sur le wall. Yagi, non, il ne pourra pas aller plus loin. Extra était bien positionné, vigilant, on est dans le corner une fois de plus. Yuki, ça déroule, on arrive, on se trouve. Mais là, attention quand même à Zafar qui va venir un petit peu empêcher, ça va revenir. Est-ce qu'on a une solution orange qui est montée sur ce ballon? La frappe, et Gaspo qui s'interpose. Extra dans les airs, non, il ne pourra pas toucher. Finalement, c'est Yukis qui va intervenir. Et encore une fois, on s'est jeté à deux hein, du côté du Servette sur ce ballon. Du coup, c'est compliqué de mettre la pression lorsqu'on perd un joueur, tout simplement, en en mettant deux sur le même ballon. Gaspo dans les airs, ça revient avec Zafar. Allez, la dernière possibilité, elle sera là. Le ballon qui frappe le sol. Exalti mène 2-0 dans le BO7. Exalti mène 2-0 effectivement, Boyan. Et de quelle manière? 3-0. On a senti les Servettes un petit peu perturbés peut-être. On arrive sur la grande scène, il faut rentrer tout de suite dans son match. Ils ont le temps, il faut encore inscrire 2 points pour cette équipe d'Exalti pour soulever le titre de la Gamer Assembly. Pour le moment, c'est un bon début. On les a vus très très haut sur le terrain, comme à leur habitude, avec beaucoup d'agressivité. Ça paye. Ils vont continuer comme ça. Maintenant, les Servettes, il va falloir venir un petit peu couper les trajectoires, mettre un petit peu plus de pression avec le troisième joueur. On connaît leur talent, ils en sont capables. Ouais, et défensivement, non plus, ce n'était pas tout oui, à fait carré. Fébrile. Du côté du Servette, ils peuvent faire mieux que ça. Ils l'ont montré tout au long de la journée, tout au long du week-end. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. La game numéro 2, numéro 3 de cette finale. Du coup, il va falloir y aller maintenant du côté du Servette. Il faut s'adapter à cette grande scène. C'est parti. Le coup d'envoi est donné, Fury. Allez, le coup d'envoi qui est donné avec ce ballon directement sur le camp des Servettes, négocié par Yagi sans problème. Mirror peut-être encore, attention la frappe d'extra, ça va repartir sur le wall. Zafar, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Zafar ici, il va essayer en tout cas de gêner le dégagement de Gaspo. Zafar a tout de balle, Mirror qui décolle très rapidement, attention, on est en place pour le moment, ça tient bon. Et Yukis, position très avancée pour lancer vers l'avant, il est suivi par Gaspo qui va essayer de faire une touche de balle, attention ça revient bien, il faut défendre ici, la frappe elle est arrêtée. Oh, quel réflexe là de la part de Yagi qui est venu s'interposer au premier poteau pour défendre son but. Mirror, oui, plus de boost pour lui, il ne pourra pas retourner sur ce ballon. Yagi qui est battu dans les airs. Attention, ils sont deux. Extra et Gaspo qui ont décollé. Extra pour la double tap. Peut-être il la retouche. Le setup pour Gaspo qui va essayer de remettre en direction du but. Zafar qui essaie de contrôler. Ouais, les Zafar qui va repartir. Il a du temps, il a de l'espace devant lui. Il essaie de passer. Il gagne un premier 50-50. Finalement, derrière, il y aura Yukis qui va mettre beaucoup de pression. Attention, Yukis, il a encore un petit peu de boost. Il sera trop court. Oh. Le redirect. Et c'est arrêté par Mirror. Et attention, il semble qu'il y a un open. Le retour in extremis de Gaspo. La frappe encore qui va arriver. Gaspo, une nouvelle fois sur sa ligne. Peut-être pas terminé cette offensive avec Yagi qui a récupéré du boost et le ballon, Yagi peut-être encore, mais Gaspo, la troisième touche pour empêcher, il est suivi par Extra, le 50-50 de Zafar, attention, il passe en force, la passe en retrait, Yagi qui est monté, quel arrêt, et Gaspo qui ressort cette balle. Oh là là, quel arrêt, il est allé chercher ce ballon dans la lucarne, mais voilà ce qu'on attendait de la part du Servette de Genève pour le moment, il presse mais ça ne rentre pas. Ça défend bien du côté d'Exalti, on va essayer de sortir avec Gaspo, plus de boost pour lui, il ne pourra pas retoucher, attention à la frappe, il y aura Yukis, ça va revenir avec Mirror Wing face à Yukis, le compte favorable pour le Suisse. Centre second poteau, il y avait Extra je crois pour défendre. Ah, voilà la pression hein, de cette équipe suisse qui est en train de se mettre en place bien évidemment. Attention quand même au contre-attaque, Yukis qui va passer à côté Mirror, il faut toucher absolument Extra qui était monté sur ce ballon. Et Gaspo pour garder la balle dans le camp adverse, il a eu un très bon dégagement, ça va être normalement wall clear voilà de la part de Yukis et ça repart très loin devant. Gaspo peut-être le redirect avec Yukis en deux temps, la frappe est juste au-dessus, Mirror l'intervention. Yagi, il faut toucher cette balle, voilà, il faut écarter le danger dans le corner et là c'est bien fait, ça connecte, attention quand même à Yukis qui envoie une frappe, c'est à côté. Ouais, Yagi qui va essayer de ressortir, mais Gaspo sera le premier. Mirror Wing bien positionné sur le backboard, ça revient avec Extra qui cherche plus ou moins la passe axiale pour Yukis. Oh, Yukis, la deuxième touche, le setup pour Extra encore une fois, Zafar qui touche. Attention, une possibilité de contre-attaquer là pour les Suisses avec Mirror Wing qui va sur ce ballon. Ouais, il essaie de toucher en deux temps, mais ça ne passera pas. On n'a pas été naïf hein, du côté d'Exalti. La passe au middle, on a vu Gaspo, attention à la frappe, c'est un missile. C'est sur la transversale, encore Extra, l'arrêt sur la ligne, mais c'est pas terminé. Yukis, Gaspo, peut-être en deux temps, essaie de remettre. Yagi qui va finalement sortir ici dans son corner, il a pas de boost, c'est très compliqué. Il essaie de récupérer un coup de cœur face à Gaspo, c'est fait dans un premier temps. Et Mirror, oui, qui va partir de l'autre côté. Mirror encore, attention, le air dribble, qui essaie de venir. Oh, il est passé. Et Yukis sur sa ligne. Oh là là, au premier poteau, Yukis, attention, Zafar, pas de boost pour lui.
va essayer de faire ce qu'il peut. Là, c'est pas mal avec ce setup au second poteau. Extra qui vient contrer. Ça va donner un petit peu d'air à l'équipe d'Exaltilia qui va falloir retoucher ce ballon qui arrive devant le but. Ça va revenir avec Lukis qui cherche la passe axiale pour Extra. Il était là, même Mirror Wing a répondu présent. Ouais, on relance devant. On prend pas de risque. Et il y aura Gaspo, attention cette touche de balle là, ça manquait de puissance, ça profite à Zafar qui ne passera pas. Yagi cette fois-ci, c'est au-dessus, on va chercher à pousser un ennemi pour essayer de créer un décalage dans ses défenses qui ne montrent pas de faille pour le moment dans cette game numéro 2. Le très bon dégagement de Mirror, Yuki's dans le corner, qui arrivera pas, si qui arrivera un petit peu à se défaire de Zafar, attention, ouh, il a tenté le backflip pour le redirect. Ouh, c'est pas terminé avec la frappe de Yagi sur la marque de Zafar, et Zafar avec la petite poteau, enfin on touche du bois mais ça finit par rentrer. Oh là 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 là, ça fait plusieurs fois qu'on touche la transversale, Gaspo ça lui retombe dessus, il la sort hein, bien évidemment, mais là derrière, quel toucher de balle de Zafar pour venir faire le poteau rentrant, 1 minute 33, 1-0 pour les Servettes. Et ce n'est que justice, hein. Tant ils ont attaqué là, sur le but d'Exalti, les Suisses, attention, peut-être pour un deuxième, oh Gaspo en difficulté, et c'est Mirror Wing qui vient mettre le deuxième. On les sent différents hein, dans cette game, Boyan. Avec cette très bonne touche de balle de Yagi au kick-off et Mirror Wing qui vient prendre de vitesse Gaspo. 1 minute 27. S'il doit y avoir une réponse exaltée, elle doit se faire immédiatement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps au compteur. Voyons voir ce qui se passe avec ce coup d'envoi. Zafar, Extra va aller le chercher. Pousser directement sur Yagi. Oh, attention, Yuki's qui a tenté le redirect là pour essayer de dégager son équipe. Mais on est déjà dans le camp bleu. Zafar qui va retoucher. Mirror Wing, le décollage immédiat. Ça n'est toujours pas dangereux, on est bien positionné. Du côté d'Exalti, Yuki's qui renvoie, c'est sur Yagi. Oh, attention, Yagi avec un petit peu d'espace, qui va essayer d'éliminer Gaspo, c'est chose faite. Extra qui touche, qui contrôle, il essaie de ressortir, mais ce ballon qui arrive dans la ligne. Et Zafar qui se glisse dans un trou de souris. Il en a assez, Zafar. Il en a assez. Il y va, il revient sur le corner, il touche cette première balle. Et là, tout en puissance pour entrer ce troisième but. Eh ben, on est un petit peu en train de rendre quelque chose à Exalti, j'ai l'impression. Ouais, elle est là la réponse de la part du club suisse qui est présent sur Rukedik depuis un petit moment, tout comme Exalti hein, qui fête un petit peu plus d'un an de présence, un petit peu plus d'un an de succès sur notre scène. Yuki's qui va contrôler 50 secondes restantes. Allez, une réaction peut-être attendue. C'est défendu, ça va revenir avec Extra, toujours dans ce coin de corner. On essaie d'insister, mais la défense genevoise qui est positionnée. Et Zafar va contrôler pour Mirror Wing. Ouais, voilà, il reste 40 secondes de jeu ici. Pas de problème, Yagi qui renvoie, il n'y aura personne sur le backboard. Allez, Yuki's qui essaie encore de repartir. Et Zafar la frappe peut-être. 4-0. Je crois que le Servette s'est réveillé, Boyan. Effectivement, là, quelle belle réponse qui était apportée à la première game. On a vu uniquement du bleu. Et bien voici, on n'aura pas de 4-0 Fury. Ça, oui, c'est la bonne nouvelle. Merci. Et oh là là. La finale, elle s'annonce très disputée. Allez, les 30 dernières secondes de cette game numéro 3. Avec Yuki's qui va reprendre, attention Gaspo qui a enlevé le ballon à son coéquipier. Yuki's derrière pour contrer Mirror Wing. Yuki's pour... Oh là là, je crois que c'est Gaspo qui avait décollé pour essayer de suivre ce ballon. Mais ça fonctionne, hein, ils s'en sont sortis. Ouais, allez, Yagi qui repart. On est bientôt dans les 10 dernières secondes de jeu. Même s'il y a un but, ça sera juste pour le spectacle. Oh. Oh là là, Extra, le petit réflexe sur la ligne, on l'a vu. Et ça part. Attention, la dernière offensive, elle est là. Oh oui. Qui est cette up. Ils sont inarrêtables. Oh oui, le beau jeu. Oh oui. Rocket League, c'est pas seulement taper dans le ballon, c'est aussi envoyer le ballon là où il le faut, là où les coéquipiers peuvent le récupérer. Ce 1-2 est absolument magnifique. À 2 secondes de la fin, 5-0 pour le Servette de Genève. C'est incroyable. Cette finale est lancée. C'est incroyable. Cette finale est lancée, Boyan, effectivement. Et Servette qui revient à 2-1 dans ce BO7. On vous rappelle, il y avait un petit point bonus pour Exalti qui arrivait du winner bracket. Et là, on en a vu des matchs de Rocket League, mais je sais pas quoi penser, Boyan, parce que quand tu gagnes ta première game 3-0, que derrière tu prends un 5-0, je sais pas. Je sais pas. On va dire qu'ils ont l'avantage psychologique maintenant, mais Exalti, pour les faire douter, à mon avis, il va leur en falloir un petit peu plus que ça. Ils ont la main mise sur la série pour le moment, ils sont en avance. Oui. À mon avis, il n'y a pas spécialement de raison de paniquer. Mais voilà, cette réponse du Servette de Genève, moi, elle me plaît. Très belle. On a envie de voir cette finale s'éterniser le plus possible. J'ai rien contre Rainbow Six, mais on est bien sur cette grande scène. On va vous faire attendre un peu, hein. Un petit overtime de 30 minutes, ça vous va? Bon, je pense que la régie, pas trop, mais... ça leur va. Bon, mais c'est bon alors, c'est bon. Allez, c'est parti, on va partir pour ce troisième match entre Exalti et Servette, grande finale de cette Gamer Assembly. Nous sommes prêts au cast. Nous allons pouvoir partir. Et là, il peut tout se passer. Une égalisation ou peut-être une balle de match aussi. Et oui. Attention, c'est maintenant.
avec Gaspo. Le kick-off un petit peu étrange avec ce ballon qui flotte doucement. Et ça va permettre à Exalti de placer la première attaque dans cette game. Défense de Mirror Wing. Attention, Extra qui s'était jeté de manière un petit peu audacieuse, un petit peu optimiste. Extra qui vient couper pour gagner un petit peu de temps. Il va y retourner sur ce ballon, il a du boost, il prend son temps, il ralentit le jeu, c'est pas mal, ça force la défense de Servette à sortir. Allez, Gaspo qui prend son temps. Oh, il essaie d'effacer Mirror, mais il a été très très rapide là, le joueur de Servette. Extra qui va repartir vers l'avant, Extra peut-être encore, et non, il va perdre cette balle. Bonne touche de Zafar, c'est à Gaspo de jouer maintenant dans le corner. Attention, il va falloir se positionner pour un contre, c'est fait. La petite touche encore, on a effacé deux joueurs, et on ne pourra pas aller plus loin face à Mirror, mais là c'est Extra qui fait la très bonne touche de balle. Est-ce qu'il peut faire une passe à ses coéquipiers? Peut-être Extra, il va tenter, il y a du monde derrière, la frappe de Yuki lancée sur le côté et on devrait pouvoir repartir pour les Servettes. Ouais, c'est Yagi. Oh non, il y a personne, on abandonne ce ballon à Gaspo qui avait une possibilité de frapper, il a choisi le setup backboard, mais Yuki, ça a été démoli par Mirror Wing. Et attention là, à la contre-attaque avec Yagi qui va essayer de centrer, le bon retour de Gaspo là au premier poteau, et là il lance la contre-attaque, il repique dans l'axe, récupération de Zafar, ça peut être dangereux. Ouais, le très bon reclear d'Extra, ça repart complètement l'autre bout du terrain. Attention Yagi, la touche de balle dans l'axe ici, et on va essayer de redirect. Non, ça sera trop court, on n'aura pas assez de boost. Le dégagement, Extra, allez, il va, non, il pourra plus récupérer cette balle à Mirror, mais là ça va revenir dans l'axe avec Zafar, on essaie de composer. Extra à la réception, il a vu son coéquipier, voilà, Gaspo bien positionné, et on envoie sur ce côté droit, on voit Yuki tout de suite qui monte, mettre la pression, Yuki qui cherche le compte, ça ne passe pas, oh là ça ne passe pas non plus là, face à Zafar. Et ça repart en tout cas, attention Yukis peut-être, la passe en retrait. Ah oui, il avait la possibilité de frapper là Yukis, mais il a pris son temps, il a fixé le dernier défenseur pour aller servir. Extra positionné là, il ne peut rien faire Yagi, il est à 1 contre 2 joueurs, c'est bien joué de la part d'Exalti. Ouais, effectivement, Yukis très très belle vision de jeu là pour le coup, et on repart avec cet engagement. Ouh, Mirror, il est monté très rapidement ici, il arrive à rediriger cette balle et on s'est raté. Fort heureusement pour Exalti, Gaspo qui repart à l'attaque, il va essayer de travailler dans ce corner. Ça peut être dangereux, Extra qui se rate, il ne s'attendait sans doute pas à ce que ce ballon arrive juste devant lui. Et attention, Zafar qui va aller mettre la pression, Gaspo qui retouche, ça va, c'est parfait, il a placé le ballon pour Yukis qui n'a plus qu'à dégager. Yukis dans les airs. Oh, le contre favorable, mais sans doute personne ne s'y attendait. Ouais, Extra était un petit peu en retard et attention au contre de Yagi. Ah, l'explosion, c'est bien vu parce que Yagi, il allait très très vite sur son côté. Attention, le 50-50, ça joue musclé au milieu de terrain. On est très rapide sur les challenges. Yagi, il n'arrivera pas à récupérer un contre, mais son coéquipier Mirror. Oh, attention, le double copie, Mirror, il est tout seul. La double top. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Il a traversé tout le terrain dans les airs, passant Gaspo et Yukis. Et regardez son positionnement, la maîtrise de son véhicule. Rocket League, c'est vraiment beau lorsque c'est joué comme ça. Un partout. Un partout. Et 2 minutes 40, il nous reste la moitié de ce match. On est bien. Encore, on est très très bien ici. Allez, Zafar qui va repartir à l'offensive face à Gaspo. Très bien, 37 de boost, il sera trop court. Attention à cette frappe. Non, c'est une passe. Mirror encore de l'envoyé. L'envoyé. Super, Mirror Wing qui va chercher le second poteau. Il vient piquer son ballon. Je crois qu'il y avait du monde. Ouais, Yukis qui part dans les airs. Et Mirror Wing intelligemment, regardez comment il positionne son véhicule pour éviter d'être contré par le dernier défenseur. Et en l'espace de quelques secondes, le Servette de Genève qui renverse cette game. Qui renverse complètement cette game. Et attention, il reste tellement de temps. Ouh, Extra la frappe. Bon, ça va, Mirror. Vigilant ici qui peut relancer. Extra au milieu. Et là, partout. Et le public de la Gamers Assembly qui rugit sur cette égalisation. Signé Yukis, une bonne passe d'Extra. Et Yukis qui va chercher le second poteau pour prendre à contre-pied le défenseur qui revenait sur sa ligne. Ma foi, ça continue, ils se rendent coup pour coup là. On a envie d'aller la chercher cette première place, bien évidemment. Allez, Yagi, est-ce qu'il peut aller faire quelque chose? Il a son flic encore, il me semble, il n'a pas pu l'utiliser face à Yuki. Ça va repartir dans le corner. Yuki, s'il a adressé une belle passe pour Gaspo. Gaspo peut-être. Il y aura du monde sur ce backboard. C'est Zafar qui va pouvoir dégager. Extra qui touche. C'est au middle. Peut-être de l'autre côté des solutions. Il y a Gaspo. Il essaie de renvoyer plein axe, mais ça sera trop compliqué. Attention à Yagi et Mirror Wing qui étaient tous les deux au même endroit. Mirror Wing qui passe à côté du ballon et il se sacrifie pour empêcher Extra de le reprendre. Et ça offre la possession à Yagi. Attention à partir du ceiling. Oh, c'est frappé, c'est cadré. Le retour défensif d'Extra. Allez, on va partir sur le wall ici avec Mirror. Il a le temps d'ajuster, il n'a personne face à lui. Il retombe. Oh, ah, Extra, il l'a vu venir. L'expérience là qui a parlé. Il a survécu sur cette balle peut-être. Oh, le drop. Oh, le drop pour Yagi. Il n'y a pas de Il n'y a personne pour finir. Zafar qui était loin.
Et Zafar qui va essayer de remettre juste devant. Oh, peut-être en deux temps, s'il est rentré, ça c'était complètement fou. Finalement c'est Gaspo, mais ça revient plein d'axe. Attention à la frappe de Yagi. Oh, Yagi se salit. Ça pousse du côté orange et ça tient bon du côté d'Exalti. Le dégagement de Mirror Wing, Yagi qui est déjà dans les airs. Ils essaient de la mettre cette pression pour trouver enfin l'ouverture pour reprendre l'avantage. Zafar contre le backboard, l'extra qui rate sa lecture. Et Mirror Wing qui est là. Et Gaspo qui tient bon. Et Gaspo qui tient bon. C'est une muraille, la défense Exalti depuis tout à l'heure. Yagi qui remet dans le corner. Est-ce qu'il peut aller chercher une balle, empêcher un peu la relance? Pour le moment, c'est compliqué. Mais il y a Mirror. Ah, qui va passer à côté. Attention, Yuki, sinon ça ne passera pas. Oh, oui. Oh Mirror, peut-être pour dropper. Oui. On l'attendait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il y aura Gaspo. Oh là là, ils sont intenables. Hein. Ils tentent des choses compliquées en plus pour battre cette défense. Il vient mettre un double tap. C'est miraculeux là pour Exalti qui a tenu bon. Et Gaspo qui vient trouver l'ouverture avec cette double tap. La Gaspo, oh là 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 là. Il est là Gaspo, il tient bon. 45 secondes restantes, Fury 3-2 pour Exalti. 3-2, 46 secondes, il peut se passer tellement de choses encore. Et c'est Zafar qui va essayer de partir. Il est arrêté. Yagi peut-être encore, non il était dans les airs, hein, mais c'était Mirror qui pouvait récupérer derrière. Et cette touche de balle, ça flotte un petit peu ici, Extra qui décide de partir dans le côté, Extra peut-être encore, il est bien contré par Yagi, Yuki qui va partir, la touche de balle c'est cadré, on est passé un petit peu à côté mais ce n'est pas cadré. Ouais, le Yuki qui vient chipper le boost, oh, ça a permis d'accélérer ce ballon, mais Exalti qui est déjà en place derrière, qui va pouvoir retoucher, ou avec Gaspo qui a essayé de la remettre vers Extra, il n'y a pas cru le joueur des Baguette Squad. Encore, il va pousser dans les airs, le chronomètre final, Extra jusqu'au but, le retour de Mirror Wing, la dernière chance, elle est là pour les Servettes. Ouais, les Servettes, 2, 1, attention, ce ballon qui n'a plus le droit de toucher le sol, Yuki qui va le plaquer bien évidemment, et Exalti qui remporte ce match, attention, il y a du coup 3-1 dans ce match. Est-ce que ça fait pas quelques balles de match ici là pour conclure? Ça en fait 3 Fury, effectivement. Exalti là qui revient de très très loin. Wow. Dans cette game, ils étaient tellement mis sous pression, mais ils ont tenu très très bon. Et qui d'autre que Gaspo pour aller chercher cette game très importante? Il est là, le public, voilà, il est le là. Public est là, Gaspo, bien évidemment. Qui enflamme la Gamers Assembly. Incroyable, Gaspo, quel but pour donner l'avantage en plus, c'est incroyable. Et là, attention Servette, il n'y a plus droit à l'erreur. Ils le savent, bien évidemment, ils vont tout donner pour aller jusqu'au bout. On compte sur vous pour faire un maximum de bruit, les encourager dans cette dernière game. Allez, ils sont prêts. Il va falloir les sauver, ces balles de match. Tout à l'heure contre Sector One, ils étaient également dos au mur, hein, dans la finale loser bracket. Et ils sont revenus, hein. Ils étaient menés 2-0, ils ont enchaîné avec 4 victoires. Et je crois que c'est bon, ça y est, c'est bon. Tout le monde est prêt, on va pouvoir repartir, donc la première des balles de match pour Exalti. Et oui, elle est là, l'engagement qui est pris, et Extra. Bon, Extra qui va se faire exploser par Zafar, Gaspo la relance, peut-être encore, non, il n'y a plus de boost, on va pas pouvoir venir, Counter ici, Zafar qui met un petit peu de pression devant le but, c'est récupéré par Yagi qui va monter le long de ce wall, dans le corner peut-être, ouh, il avait tenté le tir ici, mais ça a été bien bloqué par la défense. Gaspo qui va y aller, une passe axiale, il va trouver Yuki, ça c'est très bien fait. Yagi à son tour va chercher côté gauche pour Zafar qui décolle, mais Extra qui avait tout vu. Mirror Wing, une nouvelle chance là d'essayer de franchir la ligne médiane du côté du Servette de Genève. Ce ballon qui est passé, Zafar qui contrôle, il va l'emmener vers Yagi qui prend le relais pour attaquer. Ah, pas de boost pour lui, c'est Extra qui récupère derrière. Attention à Zafar, la passe pour Mirror Wing. Elle est un petit peu trop longue, mais derrière Yagi qui frappe. Sous la barre transversale, 1-0 pour Servette. Oh, la crossbar rentrante ici. Zafar, voilà cette première passe, hein, qui est adressée pas pour Yagi, mais il le voit, il tourne, il revient et domicile sous la crossbar pour donner l'avantage au Servette. Un petit peu moins d'une minute de jeu, déjà le premier but qui est là et on repart sur cet engagement entre Yukis et Mirror. Attention, oh, le bon follow de Zafar, il va falloir conserver cette pression maintenant, en tout cas il récupère un premier boost, il va se replacer intelligemment, Yagi sur le backboard, oh, il y aura Mirror de l'autre côté, il passera à côté. Il a essayé un Mirror Wing, il a voulu sauter plus vite que tout le monde pour être le premier sur ce ballon, malheureusement il n'a pas pu ajuster sa trajectoire, Zafar qui a été touché je crois, il n'a pas pu suivre son ballon. Mirror Wing qui passe au-dessus de Gaspo, Castagnini il aura Extra derrière, il va essayer de recentrer. Attention de Mirror Wing sur le backboard, c'est Exalti là qui pousse, attention le raté de Yukis, Gaspo à son tour qui va essayer de mettre la pression. Ouh, Yukis, le petit dunk pour lever ce ballon, Extra poursuivre, c'est raté.
Il avait passé de boost extra pour négocier cette balle. Et Yagi qui a un petit peu de... Et donc il n'a pas de champ. Gaspo qui était là. Oh, Yuki, s'il était positionné dans la surface, il rôdait là pour essayer de faire un redirect. Mirror depuis son backboard qui va renvoyer sur Yagi. C'est loin devant. Et Mirror qui va enchaîner ici. Il va tenter de récupérer ce ballon. On vient récupérer un bon contre en tout cas sur le dégagement. Yagi dans le corner. Ça passera une fois, mais pas deux. Et ça repart dans le camp des Servettes. Zafar, la touche de balle pour écarter un petit peu. Extra qui a du temps. Il lui faut l'information. Il décide de jouer rapidement avec un rebond là sur le plafond. Extra peut-être encore. Ça ne passera pas la défense qui est en place. Gaspo qui passe à côté. Et Yuki va prendre le relais. Oh, le petit mind game, c'est passé. Va aller essayer de faire la même peut-être sur Zafar. Il avance, mais cette fois-ci il ne se laissera pas passer. Le joueur suisse extra à son tour. Yagi va défendre. Ils essaient de sortir là, mais Exalti qui pousse. Oh, la bonne passe pour Yuki. Oh. Je sais pas, il n'y a pas cru. Il a pas cru à cette passe. Yuki. Oh, Gaspo. Oh, Zafar solide sur sa ligne. C'est pas terminé avec Yuki peut-être. Il essaie de drop cette balle, mais on est toujours là, vigilant. Bien évidemment, 1-0. Toujours le plus petit des scores. Il reste encore 2 minutes 40. Mirror qui va essayer de repartir. Ça laisse une belle opportunité. Gaspo, la passe. Yuki se le tire. Et non, ça sera dévissé malheureusement. C'est pas terminé. La passe de pression avec Extra. Oh, il a tenté le bump. Je crois que c'est passé. Mais on s'est fait rattraper par un coéquipier du côté de Servette. Extra. La passe en retrait, attention à ne pas trop se regarder parce que Mirror, il est là pour récupérer cette balle. Et finalement, Gaspo qui arrive à repartir le long de the wall. Et quelle grâce dans ce déplacement là, Gaspo, le petit crochet sur la droite. Il va essayer de centrer à l'aide du backboard. Extra qui est un petit peu trop loin. Et c'est Mirror Wing qui va reprendre. Il a le contre favorable là face à Extra. Yuki qui est derrière. Oh, Extra pour le redirect, il est parti, il va la toucher. Zafar est passé au-dessus. Ouais, il était là, Zafar, il l'a vu venir. Et attention, Yagi qui renvoie vers l'avant. Zafar qui est monté très rapidement. Quelle touche de balle, quelle finesse pour venir placer ce ballon hors de portée des deux défenseurs qui revenaient en catastrophe. Superbe là, avec la roue avant gauche, la technique de Zafar, ça fonctionne, 2-0. Eh oui, 2-0, le break est fait, mais il reste 2 minutes, on les a vus revenir, c'est Exalti, on sait qu'ils en ont les ressources. Et ça commence par là, avec cet engagement. Extra qui va partir dans le corner. Est-ce qu'il a encore du boost pour créer un décalage? Oui, il a passé au middle. Oh, Yuki, il a pas envie d'y aller. On s'est un petit peu... On s'est pas trop compris avec Gaspo. Attention, Zafar. Ça va dropper juste devant. Et quelle lecture de Yuki. Ouais, le contre, la Zafar en retrait. Attention, Gaspo qui a failli anticiper. Mais Yuki, c'était également sur ce ballon. Il a pu contrer. Ça va profiter néanmoins à Zafar qui va chercher Yagi dans le rond central. Extra qui décolle pour venir récupérer la balle. Yukis peut-être, Gaspo qui va gagner le duel. Mirror Wing était là face à deux joueurs d'Exalti. Le retour de Zafar sur la frappe de Yukis. Ouais, c'est bien fait, on tient bon pour le moment. Chez les Servettes, la défense, aucun but encaissé pendant ce match. Et ça va repartir avec Mirror Wing peut-être qui cherche un contre. C'est au milieu de terrain. Oh, Yagi, il n'y avait plus beaucoup de boost ici pour négocier cette balle. Extra qui renvoie, on essaie de mettre un petit peu de vitesse, mais c'est compliqué. Ils sont très bien positionnés, ils cut toutes les balles, ces Servettes. Gaspo qui arrive à récupérer un 50-50 ici. Et on est dans le corner maintenant pour relancer. Yagi, première fois, peut-être une deuxième fois, ce serait compliqué. Yuki, ce qui a vu Gaspo démarquer ici, mais il est gêné une fois de plus par la défense. Il y a peut-être une frappe à cette up. Non, oui, une passe avec sa part. La frappe, et c'est arrêté. Le plongeon de Yuki, cela aura du poteau pour empêcher le troisième but du Servette. Yagi encore une fois, face à Yuki sans difficulté, le ballon qui retombe sur lui, bonne réaction, mais c'est relancé, plein axe, et c'est Mirror Wing qui vient mettre le troisième. Et le troisième but effectivement à Yuki, s'il était tout seul, ce ballon qui redescend très très fort, et Mirror qui est là, qui n'a plus qu'à ajuster, quand on a ce niveau-là, c'est du pain béni, hein, bien évidemment, il faut pousser tout droit, et 50 secondes, engagement, on aimerait que, même si ça va être très dur, on aimerait un but. Il faut un but tout de suite pour y croire, pour revenir dans cette game. Yuki qui met de la pression, Yagi qui décolle, attention extra qui essaie de passer par en dessous, mais ça ne fonctionnera pas. Ouais, avec Zafar qui devrait reprendre, il a tout le temps du monde là pour pousser loin devant, demi-volée. Yuki, décollage face à Mirror Wing, c'est le Suisse qui gagne le duel. Zafar va aller se replacer, on ne va pas prendre de risque. Oh, et on n'a pas besoin de lui sur cette action, c'est Mirror Wing pour le 4-0. Oh, Mirror Wing, quel angle il est venu nous trouver encore ici. Oh yaï yaï, oh yaï yaï, ça part, c'est propre, c'est clean. 4-0, vous l'avez compris les amis, il ne se passera plus rien dans ce. On aura peut-être des buts encore, mais ça ne changera pas le fait que les Servettes sont en train de recoller au score dans ce BO7. Allez, quand même, on va continuer parce qu'il va y en avoir du beau jeu. Extra la touche de balle, il peut y aller encore. Et non, ça sera trop compliqué. Le backboard qui est défendu. Yagi qui va essayer de partir. C'est Yukis qui récupère. Et la bonne défense de Mirror. Attention quand même, la frappe d'Extra, c'est à côté. Ouais, Zafar qui a la possibilité d'aller servir Mirror Wing dans la profondeur. On combine toujours du côté de Servette. Oh, et c'est parfait là. Le raté backboard pour le 5-0. Le 5-0. On revient un petit peu à des scores de la première et la seconde game. Alors Servette quand ils gagnent, c'est 5-0. Alors c'est voilà. Ils font pas semblant. 3-2, hein. Non. Eux quand ils gagnent, c'est sans prendre de but et sans mettre en enfilant des perles, tout simplement.
Allez, on en a eu des beaux. Avec cet engagement, il reste 8 secondes. Est-ce qu'on aura le but de l'honneur, comme on l'appelle pour Exalti ici? Ça reste d'être très compliqué. 2, 1, ce ballon qui va toucher le sol, les servettes qui reviennent. Il est pressé, effectivement. Les servettes qui reviennent à 3-2 dans ce BO7. 3-2. Ouais. Et encore une fois, ils ont réagi d'une très très belle manière avec une grosse domination sur cette équipe du Servette. Et quand ils arrivent à conclure, voilà ce que ça donne. Exalti qui est un petit peu dépassé en défense et les buts qui s'enchaînent. Exalti vient de laisser une première balle de match. Il en reste 2. Allons-y. Voilà, première balle de match qui est perdue. Il en reste, ouais. comme tu viens de le dire. On va voir s'ils arrivent à conclure juste après. Mais je me pose une petite question. Qui est pour Exalti ici dans la salle? Oh, il n'y a que ça. Quoi? Vous vous foutez de moi? Qui est pour Exalti ici? Ah, oh, voilà. Et attendez, attendez, il y a une autre équipe. Qui est pour Servette? Ah, vous m'avez fait peur, les gars, à un moment là. On en a des Suisses, on en a des Européens dans cette Gamers Assembly qui a rassemblé d'une part le meilleur de la communauté francophone, ou presque. On a des joueurs qui sont au top niveau aussi. Mais ceux-là, ceux qui sont là, ils ne vont pas tarder à aller les rejoindre. Et on a des équipes européennes qui nous ont régalé tout au long du week-end. Un très beau rassemblement, 40 équipes. J'en profite pour remercier la team Metallic derrière l'organisation de cette compétition. Mwaka et toute sa bande et bien évidemment la Gamers Assembly pour des conditions très optimales pour du beau jeu. C'est parti, la game numéro 6, peut-être la dernière, Fury. Effectivement, peut-être la dernière avec Mirror qui va repartir sans boost ici. Pour essayer. Il avait tenté une petite passe en retrait, ça ne passe pas. Gaspo qui change de côté, Yagi, la touche de balle, en deux temps peut-être. Non, sur le wall, il y avait extra et ça repart de l'autre côté. Zafar qui renvoie, loin devant, on s'échange de grands ballons pour le moment. Ouais, Yuki qui défend. Essayer de repousser, mais on l'attendait. Hein. Zafar qui était là, il savait exactement où ce ballon allait aller. Extra qui repousse, Yagi qui va essayer de retoucher. Ouh, Zafar qui s'était envolé aussi, il avait peut-être une meilleure possibilité de frappe. Mirror Wing, le duel qui est remporté par Extra. Ouais, effectivement. Et Lukis, oh attention, la petite erreur ici, ça va. Yagi qui était vigilant. Et on repart. Extra qui va se rater aussi. Extra qui va pouvoir peut-être suivre cette balle. Non, il a pas de boost. Ça revient en mi. Attention, la frappe, la demeure. Oh, Mirror Wing, oh, 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 sur sa ligne. Oh là là, ce ballon qui lui retombe dessus. Je pense que Yukis ne s'y attendait pas. Mais voilà, il était positionné là où il fallait. Mirror Wing, c'était une belle action encore une fois. Mais attention, Extra. Le reset. L'ouverture du score pour Exalti. Ce jump reset obtenu par Extra. Cette mécanique qui est pas nouvelle, mais qui est de plus en plus utilisée et qui vient mettre en grosse difficulté la défense. Il la maîtrise à merveille. 1-0 pour Exalti. Quel talent, mais il faut tellement mettre un reset en finale. C'est tellement de talent. Et allez, c'est pas terminé. Il n'y a qu'un 0 là pour le moment pour Exalti. Et Mirror qui va essayer de trouver des solutions plein axe. Ouh, on s'est pas trop compris avec la part. Et là, là, c'est parti à 2000. De l'autre côté du terrain, attention Extra. Oh, c'est open. Et oui. Et ça fait 2-0. Attention, le break qui est fait. Ouh, là. Ce pinch, c'est digne d'une gasponade là. Et, d'habitude c'est pour mettre des buts, mais là la passe décisive en gasponade. Une nouveauté qui nous avait réservé pour la Gamers Assembly, là le capitaine d'Exalti. Extra 2-0. 3 minutes 40 restant de furie. Ouais, c'est effectivement. Et ce ballon, attention Mirror qui est passé, parti très très rapidement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Yagi qui va essayer de remonter sur le wall. Yukis peut-être. On cherche un coéquipier au middle, il n'y en aura pas. Mirror qui passe à côté. Et Zafar qui va partir. Et il rate un peu son flic. Du coup, ça reste dans le camp pour le moment. Des servettes. Il va falloir envoyer un gros clear. Yagi qui part. Yagi en deux temps. Et qui ne passera pas face à Gaspo Vigilant qui avait décollé lui aussi très rapidement. Touche de balle. On vient essayer de créer un décalage un petit peu pour trouver la faille dans la défense des Exalti. Mais pour le moment, c'est Extra qui est à l'offensive. Qui vient récupérer un 50-50. C'est juste devant le but. Bon, Zafar qui peut repartir avec difficulté dans son corner. Ouais, c'est compliqué là. La maîtrise du boost pour le Servette de Genève. Et ils n'en ont pas beaucoup à l'image de Mirror Wing là qui essaie d'avancer tant bien que mal. Il va essayer de contrer Extra. Ça passe au premier poteau, mais c'est du pain béni pour Gaspo qui a le contre. Celui-ci est plutôt neutre. Yukis qui va dégager loin devant. Et attention à Zafar qui a décollé très rapidement pour mettre sur le côté. Ouh, le rebond, ça revient pour Yukis. C'est top backboard. Zafar est toujours présent. Ouais, ce sera défendu. Yagi qui renvoie loin devant. Attention, le rebond. Extra, il n'est pas évident. Si c'est va, c'est bien lui. Il peut renvoyer de l'autre côté. Il va même continuer sur le wall. Extra. Et là, c'est Mirror Wing qui va l'arrêter. Attention, la frappe, elle est là. Oh, Yukis qui n'aura pas le temps de revenir. Réduction du score. 2-1. 2-1. Que s'est-il passé là défensivement? Je crois que Yukis et Gaspo, ils ont avancé tous les deux. Ils attendaient la passe d'Extra, une passe qui n'est jamais arrivée. La récupération qui fait mal derrière, on est pris de vitesse. 2-1, on est à la moitié de cette game numéro 6. Ouais, les servettes qui peuvent vraiment revenir à tout moment.
Et peut-être là, avec Zafar qui va venir chercher un counter dans le corner. Pour le moment, c'est Gaspo qui arrive à se saisir de ce ballon. Gaspo peut-être en retombant ici le 50-50. Ça va repartir sur le wall. Zafar, première touche de balle, peut-être encore pour décaler. Il a bien dit. Oh, la frappe était là, Miyukis, quelle vision. Ouais, il est bien sorti là, Gaspo. Plus beaucoup de boost, plus du tout de boost même. Il va laisser ce ballon. Il l'accompagne et derrière, il a fait croire à ses adversaires qu'il allait retoucher. C'est Extra qui est venu prêter main forte. Le but est ouvert. Yagi qui pousse, ce ne sera pas cadré. Gaspo, il était à court de boost. Il n'aurait peut-être rien pu faire. Ouais, ouais, il aurait été en difficulté. Attention, Extra qui dégage. Mais là, il y a beaucoup de monde du côté Servette dans ce camp Exalti. Mirror qui est en difficulté sans boost, forcément. Il arrive quand même à adresser une passe à Yagi. C'est bien fait. Yukis qui peut renvoyer loin devant, composer peut-être avec Gaspo. C'est plein axe, c'est dégagé dans un premier temps. Zafar qui va suivre. Attention, Extra qui était positionné pour un tir, qui va venir chercher un bump là pour empêcher l'équipe de se dégager. Oh, quelle touche de balle de Zafar. Ouais, il a éliminé Yukis sur le coup. Gaspo est derrière. Il repousse. Ouais, c'est Yukis qui va récupérer. Attention, on se replace tous les deux. Zafar et Mirror Wing qui se suivent. Oh, il met le ballon sur le poteau. Une extrémiste, ça a failli coûter très cher là pour le Servette de Genève. Peut-être Yagi premier sur ce ballon. Non, c'est Extra. Le swing shot encore. Extra, il redescend, il feinte. Ça ne passera pas. On aurait pu passer. Attention, c'est pas terminé. Cette phase de pression des Exalti avec Gaspo lui aussi qui retombe là et qui cherche la frappe. Mais c'est bien défendu. Mirror Wing, bonne touche de balle. Il n'y a plus que 5 de boost. On va essayer de partir plein axe. Ouh, attention à Yukis qui aurait pu mettre à mal cette défense ici. Gaspo, fonce de boost. Finalement, c'est Extra qui récupère cette balle. Allez, il faut sortir de là du côté des Servettes, sinon ça va être compliqué. On arrive dans la dernière minute de jeu pour le moment. Exalti, c'est en train de le faire. Yagi qui va repartir. Il se positionne sur le wall, mais ça, c'est très bien joué. Plein axe. Yukis le redirect peut-être. Oh, Gaspo, mais non. Oh, il est chaud. Il est à l'aise sur cette scène, Yagi. Il fallait absolument toucher ce ballon qui partait très, très fort en direction du but. Yagi peut-être, Yukis qui se rate, et c'est Gaspo qui sera le premier sur ce ballon, il vient gagner le duel. Yukis peut-être, Mirror Wing qui l'empêche de toucher Extra encore, et oh, il va contrôler, c'est bien fait. Il voit ses coéquipiers qui sont là au second poteau. Il a essayé de servir comme il a pu. Ce n'est pas passé, 30 secondes restantes, Fufu. 30 secondes, effectivement, Boyan. Et ça part, attention à cette frappe de Zafar, il faut pas se gêner, il faut rester serein dans la défense d'Exalti, c'est pas maintenant qu'il faut craquer. Mirror qui adresse une très bonne passe au centre. Oh, Yagi est passé au travers, et là c'est très dangereux. Gaspo qui tente la frappe de loin, mais il y avait le très très bon retour de Zafar qui va peut-être pouvoir continuer à enchaîner. Il y a plus de boost, c'est une explosion. Il faut défendre le backboard. Oh, c'est raté. Yukis. Sans doute le but de la victoire pour Exalti à 11 secondes de la fin. Ils ont 2 buts d'avance. Ça va devenir très difficile pour le Servette de Genève. Il va falloir un miracle. C'est possible, les kick-off calls, ça arrive très très vite. On va voir tout se joue maintenant, Fury. Ouais, tout se joue maintenant. Le kick-off ultra déterminant. Et pas à l'avantage du Servette avec Gaspo qui part ici, qui ne touchera pas. Et voilà le décompte qui est fait dans le public, car vous l'avez compris, dans quelques secondes, ce ballon va toucher le sol. Et attention, attention, ça touche le sol. Ils conservent leur titre, ils étaient les champions de la Gamers Assembly l'an dernier en mettant 2 équipes en finale. Merci les casters, c'était super. J'aimerais que les équipes se rejoignent, se serrent la main, c'était vraiment chaud. Hein. Vous pouvez encore les applaudir parce que là vraiment c'était super. Merci à vous, je vous attends tout de suite sur place. Bon, en tout cas c'était chaud. Hein. Yeah. Restez parce qu'après il y a encore la finale de Rainbow Six et là ça va être encore mieux, il y aura encore plus d'ambiance j'espère de votre part. Est-ce qu'on peut faire un test au niveau de l'ambiance à 3? Est-ce qu'on fait un test? 3, 2, 1. Ah voilà, super. Bravo les joueurs, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre s'il vous plaît? Venez s'il vous plaît, merci. Venez me voir. Venez. Venez tous ensemble puisqu'on va faire la récompense. Voilà. Merci. Donc, du coup, je vais me mettre à... Rapprochez-vous. Allez. Voilà. Ne soyez pas timides. Ils sont timides. Hein. Vous leur faites peur, j'ai l'impression. Hein. Bon, je vais me mettre entre vous puisque Exalti a gagné. Bravo à vous. Comment vous avez ressenti cette finale du coup? Parce que là, c'était chaud à la fin. Oh là là, mon Dieu, à 8 secondes, 3-1, c'était magnifique quoi. Comment vous avez ressenti? Quel est votre mot à dire au public? En fait, c'était assez sympa, mais en fait, c'était très dur parce que l'équipe en face, ils changeaient leur style de jeu à chaque game, on avait l'impression. Donc, c'est pour ça qu'on prenait 5-0, des fois on les battait, et du coup, on ne savait pas trop comment ça allait se terminer le BO, donc... On est bien content d'avoir gagné et je souhaite les féliciter parce qu'ils ont vraiment bien joué. Ah, vous pouvez les applaudir, hein, ils sont beaux. Du côté du coup de Servette, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Tu veux prendre la parole? Oui?
Bon, comment t'as ressenti cette finale? Un peu déçu, je présume? Pas forcément déçu, on a joué comme on voulait jouer, et ma foi, ils ont été meilleurs, mais on est content de notre résultat. Bon, tant mieux, vous pouvez les applaudir encore. Et évidemment, pour faire pour donner les récompenses, le top 3 va nous rejoindre, et c'est l'équipe Sector One, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Rapprochez-vous, hein, soyez pas timides. Et ils sont vraiment timides, j'ai l'impression. Vous pouvez encore les applaudir, s'il vous plaît? Voilà, super. Donc du coup, pour le top 3, vous pouvez vous avancer un peu pour recevoir les récompenses. Vous recevez du coup un chèque d'un montant de 450 euros, ainsi que des médailles. Vous pouvez encore les applaudir, hein, parce qu'ils méritent vraiment. Hein. Félicitations. Alors, vu qu'on ne vous a pas eu sur scène, comment vous avez ressenti ce top 3? Ça s'est bien passé, le tournoi, pour vous? Ça s'est super bien passé. Un peu déçu de ne pas être sur scène, parce qu'on a eu deux chances d'y être et on n'a pas réussi. Mais on est quand même content de nos performances, au final. Quoi. On a quand même bien fait un bon tournoi. Voilà. Bon, tant mieux pour vous. Félicitations. Petite photo, hop, avec les médailles. Magnifique. Enfin, t'as un joli sourire. On va passer ensuite au top 2. Merci beaucoup, les garçons. Le top 2 qui reçoit un chèque de 900 euros. Vous pouvez venir vous avancer, s'il vous plaît. Merci. Un chèque de 900 euros. Vas-y, avec eux. Avec leur super médaille. Oh, vous êtes chaud là au milieu, j'ai l'impression. Hein. Dis donc, c'est super. Magnifique. Oh là là. Et il faut savoir aussi que dans votre équipe, pour ceux qui n'étaient pas là à la cérémonie d'ouverture, nous avons Zafar qui est né en même temps que la première gamer à Saint-Vie. C'est magnifique, quoi. Félicitations. Alors, vous pouvez l'applaudir. Il est tout timide. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et on va passer du coup au top 1, s'il vous plaît. Donc, qui reçoit un chèque pour un montant de 1500 euros. Évidemment, ils n'ont pas seulement les médailles. Tiens, j'ai oublié de dire d'ailleurs, pour le top 2, vous avez reçu aussi des tapis de souris offerts par Wikos. Voilà, donc pour le top 1... Ah, ils sont chauds. Donc vous recevez des maillots de la GA de la 20e édition offerts par Wikos. Et pour finir en beauté, hein, qu'est-ce qu'ils vont recevoir d'après vous? Ah, j'entends pas et j'entends rien là. Ah, la coupe pour vous, vous pouvez, on va vous la donner, voilà. La coupe. Vous pouvez la brandir, super, félicitations, brandissez-la. Félicitations. Merci beaucoup à vous tous, on va peut-être faire une photo tous ensemble, alors rapprochez-vous, les top 3 pour les photos, super. C'est magnifique, hein. Oh là là, disons qu'ils nous ont offert un show. En attendant, on va retrouver avec Kamak sur le plateau tout de suite. Kamak, c'est à toi.